Des yeux rouges qui piquent, des éternuements, une toux irritative, des symptômes annonciateurs des pollens. De quoi faire détester la campagne à certaines. Je suis comme ça depuis toute petite. Alors, je suis allergique à tout ce qui est graminées, pollen, mais également poils des chats, poussière, acariens. En moi, c'est presque une habitude, en fait, annuellement. Il y a une période comme ça, un petit peu délicate, perturbante et un peu handicapante. Et puis après, ça passe, voilà. Ça me gratte le nez et j'éternue des fois. Mais après, quand je m'en vais de l'endroit où je suis allergique, eh bien, ça passe tout seul. Comme Gaëlle et Alice, un Français sur quatre souffre d'allergie. Qu'elle soit respiratoire, cutanée ou alimentaire, le processus est toujours le même. Le système immunitaire s'affole et lutte contre des allergènes jusqu'alors inoffensifs. C'est le cas de Sophia qui développe des réactions depuis qu'elle s'est installée à Bordeaux. J'avais besoin de faire le point, savoir à quoi j'étais allergique et mettre en place un traitement si nécessaire. Diagnostiquer les allergies passe par de simples tests cutanés. Les allergènes courants comme les acariens, les moisissures ou encore les graminées sont introduits par une minuscule piqûre sur la peau. Rapidement, l'épiderme réagit de façon visible 20 minutes après l'application. Les tests aux acariens sont positifs, avec un bouton, un érythème autour, une rougeur. Ici, le chat, les moisissures, le chien, les insectes rampants. Et ici, les pollens de graminées. Elle va avoir une consultation avec l'allergologue, qui, en fonction de la consultation, va décider d'une désensibilisation éventuellement. Contrairement aux idées reçues, les allergènes sont plus nombreux à l'intérieur de nos habitations qu'à l'extérieur. On est dans des habitats qui sont un peu plus petits, qui sont très fermés, qui sont très confortables, mais qui sont particulièrement chauds, qui conservent l'humidité, dans lesquels peuvent se développer très facilement les acariens. Et en même temps, il y a tout un tas de produits chimiques qui sont diffusés à partir des meubles, à partir des peintures, à partir des aérosols qu'on utilise, et qui sont des cofacteurs de développement éventuellement d'allergies. Les microbes restent une barrière efficace contre les allergies. Une trop grande hygiène dès la petite enfance empêche le corps de s'immuniser. Et l'on retrouve sur ce plateau le docteur Stéphane Guez. Bonjour. Bonjour. Ça peut paraître étonnant de parler des allergies aujourd'hui, mais c'est à cette saison que débutent les traitements, c'est ça? Exactement. Quand on veut être traité, en particulier par une immunothérapie ou une désensibilisation, c'est le même mot, pour le printemps, il faut s'y prendre en dehors de la saison des pollens. Donc vers le mois d'octobre, novembre, c'est parfait. Est-ce qu'on peut arriver à traiter, à soigner de manière définitive toutes les allergies? Alors, la question est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de sortes d'allergies, si vous voulez. Donc il y a par exemple les allergies au venin de guêpe ou d'abeille. Ce sont des allergies accidentelles que l'on soigne quasiment à 95,5% par une désensibilisation. Au bout de quelques années, on perd totalement son allergie. Donc ça, c'est effectivement une efficacité remarquable. Après, il y a les allergies vis-à-vis des allergènes habituels de l'environnement, où là, on a un terrain génétique un peu prédisposé. Et donc, chaque personne ne va pas forcément arriver rapidement ou totalement à fabriquer des anticorps bloquants qui empêcheront l'action des anticorps allergiques. Donc, on a une efficacité qui va être à apprécier. Et donc, l'allergologue sait, par des petits moyens, en particulier l'interrogatoire, trouver ceux qui seront les bons répondeurs, ceux qui seront moins bons répondeurs. Il y a de plus en plus d'allergies. Qu'a-t-on fait pour en arriver là, j'allais dire? Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Mais il y a une conjonction, d'une part, avec des facteurs d'environnement auxquels probablement on s'est un peu déshabitué. Notre système immunitaire ne voit pas suffisamment, probablement, certains allergènes. Et puis, il y a un terrain génétique alors qui semble acquis, c'est-à-dire que l'on paie un petit peu les grands progrès de sauvegarde des... Si vous voulez, on a une mortalité infantile qui a chuté totalement. Et parce qu'on protège nos enfants dès qu'ils naissent de beaucoup des agressions virales, microbiennes surtout. Et à ce moment-là, le système immunitaire reste dans un état de tolérance. Et cet état de tolérance, il est plutôt en faveur de la fabrication d'anticorps allergiques et pas d'anticorps agressifs. Merci, docteur, pour ce décryptage. Merci à vous.